Garden. Tomorrow we will begin our bicycle trip. Yes, toward Chargil, Leh and Manali. Yes, it's a big trip. You want to come with us? km et des cols à plus de 5000 mètres d'altitude. Il avait peut-être raison, le chauffeur de taxi, de ne pas vouloir venir avec nous. Commencer par le Cachemire musulman, traverser le Ladakh bouddhiste, terminer par l'Himachal Pradesh hindouiste, notre périple va nous réserver plus d'une surprise. Au début, on partait pour une aventure plutôt sportive. T'as raison, on boit un coup parce que vu ce qui nous attend. On est à la montée du Fothullah, premier col au-dessus de 4000 pour nous, 4180 exactement. On arrive, on est presque en haut. Et comme c'est la tradition, en haut d'un col, il y a toujours une petite surprise. Voilà. Alors aujourd'hui, la petite surprise, eh ben c'est une question. Je vais demander à mes petits camarades de me répondre à la question, c'est quoi l'aventure? L'aventure, c'est sortir des limites de confort qu'on a habituellement. Je pense que l'aventure, c'est juste mettre un pas dans un truc qu'on connaît pas en fait. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on peut faire tous les jours. Je dirais peut-être que c'est un état d'esprit, plus que quelque chose qu'on fait, qui consisterait à continuer à la chercher, l'aventure. Bon, alors voilà, ça c'est
de loin le col le plus difficile qu'on ait monté. La piste est très très mauvaise. Elle doit être en plus défoncée par les convois militaires. Elle est un peu pas roulée dans cette poussière à côté des camions. On doit descendre de vélo. Ouh, elle est pas drôle cette montée. Hein. Elle est pas drôle. Elle doit nous amener à plus de 4900. Et elle nous en fait baver. Hein. Et ça c'est vraiment le bonheur, ça. Il y a un orage qui vient de se déclarer en amont de la vallée. Donc on a évacué le campement in extremis parce qu'on avait peur que l'Indus monte le niveau de l'eau. Et puis notre tente ne résiste absolument pas au vent dans le nouvel endroit où on s'est installé. Donc on a viré tous les arceaux, on est allongé par terre, la toile de tente sur la tête et on a calé la toile avec des cailloux à l'extérieur. Et maintenant, on attend que ça se passe, quoi. On attend que ça se passe. Voilà. Mais tout va toujours très bien. Oui, on va toujours à Manali, hein, ça y a pas de ça. We go to Manali, toujours. Toujours. mètres d'altitude, 40,1 degrés. J'aimerais bien croiser le gars qui a dit que dans l'Himalaya, il faisait froid. Ça vous plaît pas alors le rotang? Absolument pas, non. Bah, je vais même pas parler des roches à mâchoire. Je suis content de vous voir les gars parce que la montée du rotang c'est un condensé de tout ce qu'on a eu et ce qu'on n'a pas eu. Bon voilà, je suis au sommet de notre dernier col, le rotang là, à peu près à 4000 mètres. Alors c'était une montée vraiment pas agréable. Une route complètement pourrie dans la première partie, une piste défoncée dans le sable et la boue. Et là il pleut, il y a du brouillard, il y a un vent de face. Ouh,
L'Himalaya a voulu nous faire un dernier cadeau pour le dernier col de notre voyage. Le voyage nous a rattrapés avec son cortège de rencontres et d'émotions. Rencontrer les moines, découvrir leur monastère retiré et pouvoir assister à leurs prières nous fait vivre une expérience intense. D'autres émotions fortes nous attendent, comme le partage avec ces enfants tibétains qui nous accueillent dans leur école perchée à plus de 4500 mètres d'altitude. Il a été difficile de repartir ce jour-là. Parcourir la nature immense, être ensemble, chaque tour de roue est une invitation à poursuivre le voyage.